Salut à tous, on se retrouve pour The Division 2 et la nouvelle saison avec la cible Viper. Saison 4, fin de service. Donc la cible c'est Viper. On va voir la traque. Si on peut voir. Voir la traque. Donc le grand chef sera Fellow. Mais d'abord c'est Viper. Donc je vais pas vous montrer tout West, Potomac, East Mall, South West et le Pentagone. J'avais juste vous montrer la prime quand on va tuer Viper. On va quand même regarder les infos sur la cible. Bridget Douglas est la seule enfant de Charles Douglas, le cofondateur de Douglas et Harding, une société spécialisée dans le développement de matériel militaire. Elle a grandi dans une propriété isolée des Highlands en Écosse. Après de brillantes études universitaires, Douglas a passé 8 ans dans la SAS avant de travailler chez DEH en tant qu'experte en ravitaillement et logistique. Quand le poison vert s'est répandu, elle a tout de suite été recrutée par les Black Tusk malgré les réticences de son père. Une chose aussi qu'on peut regarder, c'est le briefing. Agent, on a une cellule, mais accrochez-vous, on a retrouvé la trace de l'eau. Elle travaille avec une équipe de 4 anciens agents de la division, tous recrutés par les Black Tusk, dont certains plus récemment que d'autres. Depuis qu'elle a quitté Manhattan, on sait que l'eau s'est mise activement à recruter des agents. On n'a aucune info sur ses objectifs, mais on en sait déjà un peu sur ses lieutenants. Bridget Douglas, nom de code Viper. Une experte en logistique et en produits chimiques. Elle a disparu des radars peu de temps après son activation lors de la première vague. Félix Sokolov, nom de code Kestrel. Un expert des missions d'escorte et du soutien médical au combat. Diplômé d'une grande école de médecine. La réputation de sa famille l'a vite fait grimper dans la division, et il en a bien profité. Les Black Tusk ont sauté sur la première occasion. Dustin Xavier, nom de code Magnus. Il a servi 2 fois en Afghanistan avant d'être recruté par la division, et après ça, par les Black Tusk. Un expert de l'infiltration et de la violence. Il a gagné son pseudo et sa mise à pied en participant à des combats illégaux. Gardez vos distances avec lui, ou il prendra le dessus. Alicia Coswald, nom de code Circe. Une ancienne de la division devenue Black Tusk. Elle est pragmatique, et ouverte à toute proposition. On sait que c'est elle qui a recruté l'eau, qui l'a présentée à Schaeffer. On pense qu'elle est chargée de réunir des informations pour ce que prépare l'eau. Si l'eau dirige elle-même cette équipe, c'est forcément qu'elle prépare un gros coup. Elle s'est appliquée à faire profil bas jusqu'à maintenant. Alors si elle s'expose tout d'un coup, c'est qu'elle veut qu'on sache qu'elle est de retour. Il ne faut pas la décevoir, agent. Voilà, c'est parti pour la nouvelle saison. Comme toutes les saisons, il y aura des récompenses à obtenir. Donc en haut, c'est les récompenses que tout le monde peut avoir. Et en bas, c'est les récompenses que l'on a que si on achète le Season Pass 4. Donc voilà, il y en a jusqu'à 100, je crois. Voilà. Alors, la prime. Elle est ici à Southwest. La fosse au serpent. En raison de son implication dans la logistique des opérations de Fellow, la fosse au serpent doit être démantelée à tout prix. Activez la prime. On va ici. Site protégé par des ennemis. J'arrive. Vous
si pour vous rentrer. Vous êtes près de la cible. Système en ligne. Il y a des petits drones. Ouais, ouais. Traumatisme important détecté. J'étais juste à côté. Ouvre la porte, on lui tire dessus. Nouvelle vague. Corps du violet. Il est mort, il est caché. Cible localisée, agent. Ah, elle est là pour le même endroit et à l'extérieur. Il y a des boulettes spéciales là, si tu veux. Mission électrique. Ils vont le sentir passer. Je vois rien, je sais pas où faut aller. Non. C'est par là. Ce qui est bien, comme elle est pas au même endroit, on peut avoir l'initiative sur la première balle qu'on va lui tirer. Je vais essayer de lui mettre une balle de.
de snipe. Si on n'a pas repéré, on va repérer. On a fait un lancer. Grenade. Ok. Faut se concentrer sur tous les petits emmerdeurs autour et puis. J'ai eu le drone bombardier. Signe vitaux critique. Je suis dans une fumée, je peux pas passer. C'est violet. Putain. Putain, comment elle m'a rushé. Putain. Et c'est vite tel. De manière que j'étais exposé au. Attends. D'accord, ok, il y a la nana d'un côté et le toutou de l'autre. Putain, c'est où? Sérieux, quoi. Bombardier. Disparu le machin. Parti où le drone bombardier? Pour oh, c'est bon là. J'ai failli la prendre hein. Attention, elle est à droite. Ouais, mais j'ai pas le choix. Merci. Heureusement qu'elle lance. C'est le toutou hein, en fait qui fait tout le qui fait le danger. Voilà. J'ai emmerdé. Vous avez eu la cible, bravo. Grosse difficulté en fait, c'est le toutou hein. Okay. Vous avez gagné une nouvelle prime. Bon boulot. T'es sûr qu'il est à la Maison Blanche? C'est ce que dit Kelso. Il s'occupe d'un stand de tir et sirote du café de pissenlit préparé dans une cafetière très bizarre. Ouais, ça c'est carrément mon père. Il va bien. Il a trouvé un moyen de se rendre utile. Il a eu la chance de ne jamais être infecté ou grièvement blessé. À part le café de pissenlit qui ne change pas de ses habitudes, on dirait que sa vie n'a pas beaucoup changé. Il passe son temps dans son labo à mettre au point du matériel et j'imagine que ses assistants doivent parfois bien flipper en testant ses inventions. Il te manque? Bien sûr. Mais dans ce genre de situation, il faut toujours faire ce qu'on croit juste. Je suis contente qu'on ait tous les deux trouvé notre voie. Il fait tout ce qu'il peut pour me pourrir la vie, mais bon, ça non plus, ça n'a pas beaucoup changé. Et voilà, on a terminé cette track de Viper. À la prochaine, salut !